Poum. Oh là là, il nous faut des pièces, il nous faut des pièces. Salut à tous, c'est Alex le serveur, je suis à la recherche des pièces. Il nous faut des pièces, regardez-moi ça. Bon ben, on n'a pas le choix, hein. Mario Maker 2 sur Switch, il faut qu'on aille faire des missions, du coup, de l'administrateur. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Seulement celles que j'ai pas faites, voilà. Interdiction de sauter. Bah bravo. Oyez, oyez, qui aura l'audace de relever mon défi? Pourrez-vous traverser le stage entier sans sauter une seule fois? Allons, ne soyez point timide, vous passerez à côté d'une belle récompense. Voici un indice, courez avec Y, Messire Forain. C'est parti. Elle rapporte pas mal de sous en plus, ce niveau, donc ça me permettrait de pouvoir nous payer du coup un morceau du château. Faut qu'on reconstruise le château de Peach, hein. L'Undo Dog qui a tout pété. Mais... J'allais dire... Mais oui, attends. Lou, tu te souviens pas de l'épisode précédent? En fait, tu te souviens pas, parce que ce niveau-là, tu l'as déjà testé 100 000 fois. Et ça t'a rendu fou. Ah bah, peut-être que... Là, je suis calme, donc peut-être pour y arriver. J'ai juste de commencer le niveau, donc ça va. Tombe pas par les pièges à Plouc. Voilà. Ok. Je me souviens de ce qu'il fallait faire. Je me disais aussi, c'est bizarre. Le début me dit quelque chose. J'espère le réussir cette fois-ci. Il est pas difficile, en plus, faut juste être concentré du début à la fin. Voilà, ici, comme ça. Voilà, on se retourne. Tout tombe. Hop. Ok. Là. Dommage. J'ai glissé. Allez, on se refait une session de 5 du coup pour le tenter et puis on verra. On fera un autre niveau sinon. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos niveaux dans les commentaires. Je ferai un épisode spécial où je ferai vos niveaux du coup. Je ferai aussi ma petite critique, savoir si j'ai aimé ou pas trop. Je serai gentil, promis. Mais je serai honnête. Gentil, mais honnête. Et je vais essayer de créer un niveau aussi. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais créer un niveau. Je vais vous donner le code et après seulement je vous montrerai la création du niveau. Comme ça vous laissera le... Comment dire? La surprise. Avance, avance de l'autre côté. Voilà. Là, surtout ne pas descendre comme ça, sinon c'est foutu. Voilà. Ok. Je m'étais fait avoir plusieurs fois. Là, je me souviens pas trop. Il avance en ligne droite, c'est ça? Ok. Oh, purée de patates, de pommes de terre. Ok, ne saute pas. Tu sais comment la voir en plus. Ok. Ta 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 ta. Dépêche-toi, dépêche-toi au bon son de patate. Non! Oh non, c'est terrible. J'ai pas assez foncé tout de suite. C'est même pas fini de toute façon. Ça va plus vite comme ça. Il est tellement long ce niveau, c'est zinzin, hein. Oh, mais ma tête, quand je me suis rendu compte que c'était ce niveau et que je l'avais complètement oublié. Il y a des choses qu'on préfère oublier. Franchement, faut juste prendre son temps. Enfin, pas trop, parce que regarde, c'est à cause de ça que j'ai perdu, là. Un truc qui rebondit.
Papapapapouille, les petites papouilles. Ah d'accord. Ok. Attendre d'être reposé là. Voilà. Bien. Zin 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 zin. La petite montée elle est un peu traîtresse aussi parce que bah, tu glisses un peu plus forcément. Le feu ça va. Ah non, ça par contre c'est flippant. Ok bon c'est pas grave, on s'en fout des sous. Ok. Concentration. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. On est encore dans la course. Quoi? Ah mais oui, quel con, fallait le faire venir et se mettre là. Mais faut pas tomber, loup, enfin. Oh, c'est pas vrai, c'est juste là en plus. Jusqu'au bout, hein. Putain, ça fait déjà 10 minutes là-dessus. Il va jamais brancher son cerveau. Allez, c'est la dernière chance. Hyper concentré jusqu'au bout. On s'en fout des pièces. On n'a pas le temps. On est là pour réussir le niveau. C'est l'objectif. C'est dingue comme tu peux oublier un truc élémentaire. Ne pas tomber, en fait. T'es tellement pressé et tout. Tu dis, ouais, allez, hop, tac, il y a juste à bien tomber. Et non, bah non. C'est pas ça le but, mon coco. C'est même pas ne pas sauter en fait, c'est il ne faut pas que mes pieds quittent le sol. C'est pas exactement pareil. C'est pour ça qu'il faut bien attendre à chaque fois. Ouais, alors là, ouais, voilà. Genre là, voilà, faut attendre d'être bien placé pour avancer, sinon... Pareil, là t'attends que ça retombe. Voilà, j'ai toujours peur qu'il me lance le truc sur la tête là, le... La taupe. Bouh. Ah oui, d'accord, la vie, on peut la... Si on va assez vite, en fait... D'accord. Ok, bon. Bon, ça fait toujours plaisir, hein. Ok. Bon, j'aime bien l'argent, quand même. Voilà. Là ça va, c'était pas si dur. Alors attention, ça c'est traître. Ok, parfait. Là on a même le temps de récupérer le 10. Ok, alors là, pas de bêtises parce que le drapeau est juste au-dessus. On s'en fout des pièces, hein. On s'en fout des pièces. Tu te mets là, voilà, comme ça. Je m'en fiche, tu me fais monter. Ah d'accord. Allez. Bouge. Eh ben. Quelle affaire ce niveau. Au moins on l'a eu, ça y est. Débarrassé. Ok. Alors, vas-y, raboule le fric. 1100... Oh, à une pièce près.
Oh. Franchement. Ah non, non, c'est 1300. Allez, à l'ouest, parce que j'aime bien le vert. On commence les travaux. Oui, oui, j'aime pas le bleu. Hein, voilà. Au boulot. Il nous faut encore plus de sous, là. On a commencé le premier étage de l'aile ouest. Ne te relâche pas sur les missions, on a encore du pain sur la planche. Waf waf, le chien est tranquille. J'avais vu que j'avais une mission de l'autre côté la fois dernière. En fin d'émission dernière. Le Todd John fait la sieste depuis des heures, il est temps de le réveiller. Le bloc pow, ça réveille. Faire du bruit avec des blocs pow, y a pas mieux pour réveiller les ouvriers qui roupillent au travail. Et ici, des blocs pow, c'est pas ce qui manque, alors je compte sur toi. Atteignez l'arrivée en ayant vaincu tous les iris, il y en a 9. Très bien, je te laisse t'en charger. Évidemment, il faudra battre tous les iris avec des blocs pow. Dans un style Mario Bros. Ok. Ah, d'accord. Déjà, je comprends pas. Je me dis, il faut regarder par là, mais non, faut monter là. Oula. Ça commence bien. Ok. Bah, j'adore les effets sonores qu'ils ont mis. Alors, faut faire gaffe, il y a le soleil aussi qui se balade en même temps. Tant que tu comprennes ce qui se passe. Voilà. Ah! Oh non! Ça c'est dommage sur un retour. Non mais c'est bon Luigi, t'as fini oui. Ok, allez. Là, je vais me mettre là, c'est pas mal. Tac, essaie de le choper tout de suite. Aïe! Décolle vers le haut. Voilà, merci soleil. Ok, on a eu les 9. Et voilà! Bon, pas beaucoup de sous, mais bon. Ça va débloquer quoi? Ah, bah il se réveille, le petit, là. Bah alors... Ah, au moins ça fait une mission, voilà. Oh, eh ben, j'ai bien dormi. J'ai pas trouvé la pierre que la contremaître a demandé, alors j'ai décidé de faire une sieste. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu voudrais pas aller me chercher une pierre? Voyons voir. Tiens, voilà ce que je te propose. Les pierres souterraines. La contremaître est presque à court de pierre, alors je suis allé en chercher sous terre, mais impossible de les transporter. S'il te plaît, Mario, tu voudrais bien me ramener une pierre? Une seule suffira. Je compte sur toi. Wouhou! Wouhouhouhou! On va prendre ta pierre dans le style de Mario World, du coup. Ah, les musiques des grottes. Mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce jeu. J'ai déjà envie de refaire Super Mario World, pourtant j'ai déjà fait sur ma chaîne. Hein. Peut-être que je le referai un jour. Je prendrai l'excuse de... Comment dire? De la version sur Game Boy Advance pour le refaire, je pense. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de pierre. Un Skelerex ailé, c'est pas fréquent. Je crois que ça n'existe pas dans le jeu de base. Des Yoshi, ok. Je pense pas que Yoshi puisse avaler les pièces non plus dans le jeu de base. Quoi? Je... Pourquoi il a pas avalé le champignon? Mince, je vais rebondir sur l'os mais on ne peut pas. Ah putain, pardon. Voilà. Oui, alors ça c'est con. Ah purée. Purée de patates de pommes de terre. Je viens de piger.
Oui. Bah non. Je... Ah. Ah mais descends. Bah non, je pensais que du coup on pouvait tirer la lampe. Si, celle-ci, là. Oui, bon, c'est pas grave. Boum. Sacré twomp. Ok, ok, ok. C'est bon. Je viens de piger le niveau. Faut brancher son cerveau. J'entends toujours 8-3 hein, quand il se transforme. Vas-y. Priorité au vieux. Descends. Alors, il rebondit aussi dans Super Mario World normalement là-dessus, si je me souviens bien. Bon, parfait, il reste là. Ok, et donc. Yes, voilà. Par contre, faut la faire passer de l'autre côté. Comment je fais? Bon, attends. Voilà. Pas la cracher vers le haut. Ok. C'est vicieux, hein. Apapou papou. Apadidoulidou du dididou. Wouh. Ram ram. Un petit peu de pièces. Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire fortune. Merci pour la pierre, je vais en faire un joli truc. Oui, c'est joli. On dirait un amiibo. Pouf. Allez. Encore. Attends, regarde la gomme, elle me veut quoi? Monsieur Gomme. Hé, gamin. Tu voudrais pas bosser pour moi? Si tu m'aides, j'effacerai les blocs qui bouchent ce tuyau-là. Pluie de lave. Ta mission, si tu l'acceptes, est d'éliminer cette bulle de lave. Comment? Tu ne sais pas comment vaincre les bulles de lave? Y a pas marqué guide stratégique sur mon front? Je suis sûr que tu vas trouver. Allez, adios. Atteignez l'arrivée en ayant vaincu au moins 7 bulles de lave. Apparemment, c'est facile. Ils comptent sur moi. Peut-être avec un Yoshi, on peut les avaler, peut-être. Voilà, tout bêtement. Ah, il n'y aura pas de Yoshi, on est dans Mario Bros 3, là. Ah, bah voilà. Déjà, pas bon. À moins que... Donc comment... J'aurais voulu le mettre dans l'autre sens. Bon. Ah si, bah regarde, par en dessous. Là, 10 pièces. Voilà. Tout bêtement. Doom. Faudrait que je fasse le let's play de Super Mario Bros 3 aussi, tiens. Allez, monsieur Gomme. Bon boulot, gamin. Je vais effacer les blocs. Misérable obstacle qui se dresse entre ce gamin et son avenir radieux, je vais te faire disparaître de la surface de la planète. Effacement! Il a perdu sa tête. C'est zinzin. Adios. Ah! Ouf. J'ai cru qu'il était mort. 31%, on avance.
Oh. Bah regarde. Tiens. Bonjour. Vous voudriez-vous bien vous occuper de ma mission? Si vous acceptez, je vous fabriquerai quelque chose qui vous sera très utile. La route pavée de blocs. Nous sommes à la recherche d'une nouvelle maison et nous recherchons quelqu'un qui voudrait bien inspecter celle-ci. Frappez les blocs point d'exclamation pour la visiter de fond en comble. Vous pouvez aussi utiliser le stick en bas, en l'air, pour effectuer une charge au sol et faire sortir tous les blocs d'un coup. Très bien, je compte sur vous. Ok. Pourquoi pas, ma foi? New Super Mario Bros. You. Ah non, Super Mario 3D World. Hop. Pas plus vite, hein. Ah bah là c'est même obligatoire du coup si on veut monter. Il l'indique hein, avec les boutons, les flèches. Hop. Mais c'est zinzin! Ah! C'est malin ça, c'est pas mal. Bien joué. Ah, évidemment. Évidemment, des pièces au-dessus. Ah, j'avais oublié que ça n'active pas quand tu passes au-dessus. Contrairement au jeu. Enfin, au jeu classique de Mario. Le petit filou. Et bon, on va avoir fini l'aile ouest du coup là. Je vous remercie. Bien, je vais vous fabriquer quelque chose dont vous me direz des nouvelles. Je construis, je fabrique avec des blocs et des briques. Oh, un bloc point d'interrogation, c'est formidable. J'ai créé un bloc point d'interrogation quelque part. Allez donc voir ce qu'il renferme. Ah bah c'est tout petit là. Bon. Écoute, s'ils sont contents, c'est le principal. Bon, il me faut plus de sous. Faut que je fasse des missions qui rapportent des sous là. Je vais quand même aller voir ce que ça renferme, leur truc. Ah bah tiens, des pièces. Cool. Peut-être qu'il se remet à flot à chaque fois qu'on fait une mission. Tiens, une mission, justement. Tu veux voir mes nouvelles missions? Alors, serre-moi la pince. J'avais du temps à tuer entre deux sites de construction, alors je me suis un peu amusé avec des pinces suspendues. Elles lâchent ce qu'elles ont attrapé dès que quelqu'un s'approche. Vous croyez que vous arriverez au bout? Le charpentier débutant. Ah, amuse-toi bien, ça a lâché des milliers de monstres. Je sens que ça va être zinzin. On va se faire mal aux fesses. Allez, Super Mario Bros. Ah d'accord, mais en quoi ça m'aide? D'accord. Franchement, ces portes-là, ça me fait tellement penser à Super Mario Bros. 2, la version USA. Du coup, j'aimerais bien... Non! Je l'ai senti venir. Bah du coup, j'aimerais bien qu'ils mettent une skin Super Mario Bros. 2 quand même, ce serait cool. Voilà.
Alors, si j'y vais là. Non, il le fait avant. Il le fait deux blocs avant. Voilà. Donc s'il le fait deux blocs avant, je me mets là. Malin. Voilà. Suffit de savoir ça et c'est bon. Bah là, faut se mettre là-bas. Ah non, ah non. Je n'ai pas fait attention. Il est rigolo comme niveau, c'est bien pensé. Impeccable. On continue. Ah oui, bah j'aurais pu faire... Non, attends. Prends ta bestiole, voilà. Largue-la ici. Non! Mais non, mais pas là-haut. Non! Ça va le tuer ou pas? Ça va le tuer. Là! Lâche! Non! Oh! Lâche! Oh, c'est pas vrai! Ce coup-ci, il le lâche plus. Voilà, lâche! Non, mais... Faut que je reste là, parce que... Lâche. Mais... Oh, les relous! Bon. Allez. Oula. J'ai eu chaud. J'adore ça. Voilà. Oh mince. J'ai rebondi. Tididim. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est des sous. Voilà l'émission que j'ai en ce moment, du coup, boule de feu dans les arbres. J'ai planté quelques arbres, ils sont jolis, mais je sais pas s'ils sont solides. Quelqu'un pourrait grimper sur mes 12 arbres avant de terminer le stage? Merci. Faut avoir fait le poirier sur tous les arbres dans mes... Des missions complètement zinzin. Allons-y. New Super, Super Bros. Super Mario 3D World. Voilà. Ok. Avec musique très festive. Ah mince, j'aurais dû rester appuyé. T'as failli mourir aussi au passage là. Je dis ça, je dis rien. Heureusement. Hop. Oh, allez, pour deux pièces, on attend de les prendre. Voilà. Ah, en minou. Il y avait une grosse pièce là-bas, j'ai l'impression. Bon, 10. On peut y aller. Attends! Voilà.
Miaou. 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 Allez, des tunas. Bon, on y retourne, hein. Alors, t'as quoi? Une mère de chip-chip. Oh! J'y suis peut-être allé un peu fort avec les chip-chip. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse finir le stage. Quelqu'un veut tenter le coup, s'il vous plaît? Alors, ok. Alors, plein de poissons partout, du coup, on va se faire agresser. Ça rappelle certains niveaux de Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U, du coup. Regarde-moi ça. Regardez, dans le fond, il y a un... Je sais plus comment ils s'appellent ces poissons. Ceux qui nous avalent tout rond. Oula. Bon, y a les pièces qui nous guident un petit peu, heureusement. Adieu, du. Oula. Dépêche-toi. Là, tu évites les tempêtes. Ouais, bah non. On a même pas de champignons en plus, hein. Au moins, on a un checkpoint. Wouhou! Des wigglers sous... Mais qu'est-ce que... Les pauvres bêtes, là, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont collé des wigglers sous l'eau. Allez, ma tête. Fastoche. Tebableba, je crois, ce poisson, non? Je sais plus. Allez, notre mission. Voilà les missions que j'ai en ce moment. Coupa mobile de feu. Oh, sympa ça. La coupa mobile de feu est prête à partir en expédition. Maintenez Y enfoncé pour préparer des boules de feu surpuissantes capables de détruire des blocs solides. J'irai bien moi-même, mais bien sûr, mais j'ai une lessive à étendre. Donc bon. On a déjà fait un niveau un peu dans le genre, j'aime bien. Allez. Ouh, youpi. Pom pom, j'adore cette musique. La petite tulipe de feu de Super Mario World. Mince. C'est trop marrant. Alors, par contre, il y avait un autre endroit où aller, donc je pense que là, je suis parti devant le niveau, alors que de l'autre côté, il y aura des pièces. C'est pas grave. Sale réflexe. Sale, très sale réflexe. Hein. Réflexe mortel, on peut le dire. Bon, comme ça, on va en profiter pour aller voir ce qu'il y a à droite. On reconnaît les flammes de Bowser, hein, d'ailleurs. On a des Galoombas, les cousins des Goombas. Voilà. Le bruit. Bon, on peut faire ça, c'est très efficace aussi. Il faut mieux garder les tirs surpuissants contre les... C'est trop marrant! J'adore. Là, tu peux sauter. Là, tu peux sauter. Ok. Ça, on pouvait pas, évidemment, à l'époque, hein, dans Mario Bros. Dans Mario World, plutôt, pardon. Ni dans Mario Bros, de toute façon. Ces plantes me font furieusement penser à... À la mort. À... Comment ça s'appelle? Yoshi's Island. Dans le design.
Je m'en fous de la vie. Ah bah il y en avait un là. Ah purée. Allez, dans ce sens là c'est beaucoup plus... Pof. Ah j'ai mal joué, il faut le reconnaître. Arrête de te moquer de moi. Je pensais naïvement que comme pour les coupas, j'allais pouvoir les tuer en marchant dessus, et non. Purée. Avec leurs petites lunettes. Ne sont-elles pas mignonnes? Oh là là, relou. Ah ouais, carrément. Purée, mais eh oh. C'est fini, oui, les agressions, là? Non, mais et puis quoi encore? Oui, je veux mon billet de 10, là. Oui, je sais que c'est une pièce, mais bon. Merci, petite junior mobile de feu. Ah, bah voilà. Bah. Ça alors. Comment je... Ah, je... Il y a un passage secret, peut-être, sinon. Hein. Je vois pas d'autre explication. Ouais. Ok. Bah voilà, ça nous fait des sous là. Encore. Les blocs serpents des cieux. Oh non. J'ai créé ce périmètre d'expérimentation pour les sceptiques des blocs serpents. Allez-y, lancez-vous. L'avenir des transports publics vous tend les bras. Un niveau avec plein de vide, c'est terrible là. Le vide, la menace primordiale. Comme vous pouvez le lire dans mon bouquin Génération Mario, que je vous conseille si vous êtes fan de Mario, hein, vous êtes là, donc allez voir sur Amazon. Génération Mario, par Lula Sinafoubert et Alexis Bros, aux éditions Third. Et Génération Pokémon aussi, tant qu'on y est, hein, tant que vous y êtes. Chopez les deux. Alors c'est ça ta révolution des transports publics? Ça fait peur des fois. Point trop de bêtises. Ah, tu vois? Voilà, piège à plouc. Très bien pensé. Piège à plouc, très bien pensé. Mais piège à plouc quand même. Et Lou, tu t'es laissé avoir par le piège à plouc. Tu t'es laissé avoir par le piège à plouc. À plouc, le piège à plouc. T'as eu. Hop là. Non, c'est toujours traître, les blocs serpents. Tu loupes le bon moment pour faire un saut et puis paf. C'est la fin du monde. Alors là, tu vois... Voilà. Tu mourras pas. Pas deux fois. Allez, combien ça me fait de sous-sous là? Eh ben voilà, 1100. On va aller voir la contre-maître. Le premier étage à l'ouest est enfin prêt? C'est superbe, non, sublime, non, absolument merveilleux. Oh, on est prêt à attaquer à la suite. On est prêt à s'attaquer à la suite plutôt. Ah bah regarde, j'ai d'autres trucs à faire. On commence les travaux. Oui.
Voilà. On a commencé le premier étage à l'aile est. Ne te relâche pas sur les missions, on a encore du pain sur la planche. Au bout de 500, je peux déjà faire un truc. Tu veux voir mes nouvelles missions? Attends, non. Je vais vérifier. Ah oui, le bloc se recharge en fait, ça c'est bien. Ah. Ok, d'une pièce. Alors, tire à la carapace. Activation des ménages en vue, maniez les interrupteurs on-off pour ramasser les pièces roses et rejoignez une arrivée pour obtenir votre récompense. Donc, il faut un certain nombre de pièces roses, j'imagine, pour terminer la mission. Ou pas, peut-être pas. Hein. Qu'est-ce que... Ok. Ah bah si. Les pièces. Si tu veux. Ah, non. C'est par là la sortie. Il me faut les pièces roses donc pour avancer dans les portes, j'imagine. Ah bah non. Oh mince. Presque. Voilà. Ça c'est rigolo. J'aime bien. Papoum papoum padadadoum. Ah mince. Non, pas du tout. Pas mal. Ça c'est pas mal. Doudoudoudou. Oh là, c'est traître. Non. Ah, purée. Voilà. Ok. Tout. La dernière. Ah, là, il faut jouer avec le temps en plus. Quand ça remonte. Yeah. La fin est pas mal. Donc voilà, grâce aux 5 pièces roses, on a pu matérialiser la clé. Et ça y est, on peut ouvrir la porte. Et comme on a ça sur la tête, voilà, on peut péter. Hop là, voilà. Mais quel champion, quel champion! Pas avoir peur de le dire, hein. On a affaire à un champion, faut le dire. C'est bien. Encore un niveau, je pourrais lancer une construction là à l'ouest. Oui, il te faut des pièces, il te faut des pièces. L'attaque du champignon pourri. Oh, c'est génial. J'ai ramassé un champignon rare pour une recette, mais je l'ai oublié dans la voiture. Résultat, il a pourri, il a la rage. Surtout, ne le laissez pas vous rattraper. Sois prudent. Donc le fameux champignon de Super Mario Lost Levels. Ah, et là dans la version Mario World du coup. Oh génial, regardez comme il est marrant. Ah oui d'accord, il me suit en plus. J'adore sa tête. On peut pas le tuer ce champignon ? C'est très marrant. Tududu. Oh, salaud. Il a tout pour remonter en plus.
pied piquait mes fesses, je voulais grimper à la liane. Ne te laisse pas avoir par les pièges à plouc pour ramasser les pièces, là. Ça, c'est un des effets délétères de la nuit. Elle transforme les champignons en champignons pourris. Hop, hop, hop. Je suis quand même curieux là. Sale bête! Non, ne me suis pas! J'adore le petit bruit quand il saute en plus. Ah! Ah, que c'est salaud! Ah, mais il fait pencher le truc en plus! Bon, tant pis. Mais au moins, j'ai fini le niveau. Doom. Ah, c'était rigolo. C'était rigolo. Alors, on a de quoi construire un petit morceau de château. Pas le temps de chômer. Ben non, on regarde. Les portes. Oui, c'est important, les portes. Au boulot. Fais-moi des portes. Ah, c'est long pour faire des portes, tu vois, en plus. On a commencé les portes de l'Ouest. Ne te relâche pas sur les missions. On a encore du pain sur la planche. Donc, je vais me concentrer quand même sur les grosses missions parce que c'est ce qui nous rapporte le plus de sous. Sol incertain. J'ai fait une petite maison pour les fourmilis avec des blocs intermittents. Y aurait-il un volontaire pour vérifier que tout fonctionne parfaitement? Faites bien attention au timing, surtout. Sois prudent. Fourmilis, timing. À mon avis, ça va être New Super Mario. Voilà. Super Mario 3D World. J'arrête de confondre les deux. Il a pas de casquette là, Mario. C'est facile à reconnaître. Plouf. Voilà. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Ok, d'accord. Oh, il est plutôt sympa jusque-là le niveau. Attends. Méfie-toi avant. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'avoue le piège là. Ok. Parce qu'évidemment, c'est sale bête, on ne peut pas aller. Dommage. Pam 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 pam. Allez, la même. Voilà. Ah, oh, purée. Ah, je l'ai senti venir. J'aurais dû me taire dès que je dis que c'est trop facile. Pouf, ça y est. Oh, je vous jure. Non, arrête de te moquer de moi, toi. Ah,
Pouf, voilà. Regarde, écoute, pas besoin de ces 4 pièces, franchement. Hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Je... Non, te fais pas avoir, te fais pas avoir. Reste concentré. C'est ce que t'appelles concentré, ça? Franchement? Tu vas voir ce qu'il y a par là. Dommage, t'étais presque passé. C'est la fin. Tu peux souffler. Voilà. Yay. Très bien. Hop. Allez, des sous-sous. Il nous faut des sous-sous. Plus de sous-sous encore. Ça avance, ça avance. Voilà l'émission que j'ai en ce moment. Je veux mon... Je veux ma pièce. Voilà. Alors, dans la vallée des vents, du coup, le ciel sera dégagé toute la nuit, mais on attend des rafales de vent en provenance de l'est et de l'ouest aussi. Parviendrez-vous à supporter les températures glaciales jusqu'au fond de la vallée? Merci Evelyne Delia. Wouhou Evelyne! Allez. Bon, ok, ouais, super. Ouais, alors là, du coup, ouais. Oui, bon, j'ai bien compris le but, oui. Ah! Allez-vous-en, monsieur le Galumba! Évidemment. Il peut pas partir. Poup, poup, poup. Voilà, comme ça tu vas partir. Ok, j'aurais dû me taire. Alors doucement avec les gros machins, hein. Eh oh! Oula, un boom boom. Qui n'existait pas dans Super Mario World. J'adore comment les objets tankent différemment selon leur lourdeur. Ok. Ah, des clés maintenant. D'accord. Je pouvais les avoir pendant le niveau. À mon avis, j'aurais dû tuer le boom boom. Pas mal. J'aime bien quand il y a des petits secrets comme ça dans les niveaux. Et voilà, l'aile est terminée. Et bim! Ça grimpe. Voilà l'émission que j'ai en ce moment, la forteresse aux mille embûches. Bouah, ah ah, mon nouveau château est blindé de pièges. J'ai même ajouté des bascules. Bonne chance à quiconque osera s'y fronter. Petit effronté. Alors. Ah, le désert, oula. Voilà. Ok.
Là, il y a un truc. Ah bah oui, je suis pas bêta non plus, hein. Oui. Oui, deux. Ouais. D'accord. Oh là 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 là. Il y a un début, il y a une fin à ce truc. Il veut bien nous dégoûter avant. Voilà, maintenant t'as tout ça à faire. Eh bah c'est lourd un coup pas, dis donc. Ok. Voilà. Ouh. Petite protection comme ça, c'est toujours pratique. Ok. Oh non. J'aurais bien voulu garder ma chaussure. Je comprends pas là. Ah! Pas mal. Je suis fan. C'est vrai que c'est pas mal de petites embûches, hein. Voilà. Hop. Ah merci. Je commençais à stresser depuis tout à l'heure là. Ça sent le... Je dois rebondir sur... le Scolarex. Et c'est pour ça que c'est un Scolarex. Parce qu'ils sont... invincible. Ah. Vas-y. Ok. Oh non! La blague. Oh crotte. On n'a pas non plus 1000 ans, hein. Non! Me tue pas. Ok. C'est bon, on va sortir là? Non, apparemment pas. Ah. Merci. Ce que je fais, ni pourquoi. Ah, j'en avais encore besoin là. Eh bah tant pis. Ouh. C'était un sacré niveau. Eh ben, on termine sur... sur une belle forteresse bien complexe. C'était pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Un peu stressant, parce que je me dis, mon dieu, si je meurs maintenant, j'ai tout ça à refaire. Et regarde, 700 à nouveau.
Les portes sont prêtes. Tant c'est formidable. Une fois que l'aile ouest aura un toit, elle sera terminée. Merci pour ton aide. Eh ben écoute, je t'en prie. J'aime beaucoup. 700, bon, on peut acheter un truc du coup. Mario, ça avance, ça avance. Il n'y a pas de mots pour décrire un tel chef-d'œuvre. On est prêt à s'attaquer à la suite. Bah écoute, vu que j'ai 700. Allez, un petit canon. On commence les travaux avec plaisir. Hop, faut bien défendre le château. On a commencé le canon de l'aile ouest. Ne te relâche pas sur la mission, on a encore du pain sur la planche. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin de cet épisode, ce troisième épisode dédié à Super Mario Maker 2. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires, et à me donner vos codes de niveau pour que je puisse faire un épisode spécial où je ferai vos niveaux. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, bien évidemment, très important. Me soutenir aussi, soit en rejoignant du coup la chaîne YouTube, en devenant un membre payant, ce qui vous permet de choisir deux let's play par mois, ou alors en me rejoignant également sur Utip pour regarder des petites publicités, ça me rapporte un petit peu de sous-sous. Merci à tous, à très bientôt pour la suite de Super Mario Maker 2. Ciao !